Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki qui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enshrouded, toujours accompagné de Tonche. Bonsoir. Alors on a juste laissé passer un peu de temps pour qu'on puisse avoir les briques et faire la fonderie de suite. Voilà. Et je peux la poser. Bon, on va la poser derrière lui. Hein. Voilà, c'est lui le monsieur. 20 charbons et 20 minerais de cuivre pour faire 10 barres de cuivre. Ah. Ah. C'est cher. Bah, le charbon, ça va. Le cuivre, c'est un petit peu plus chiant. Bah, il va falloir, hein. De toute façon, il faut qu'on fasse les pioches, hein, à mon avis. Ça va peut-être nous aider. Ah bah, à un moment ou à un autre, il va falloir. Hein. Ça, clairement. Je cherche le minerai de cuivre. Où est-ce qu'il est? On a une barre de cuivre ici. Très bien. Minerai de cuivre, où es-tu? Où es-tu, mon petit? Dans le grand, non? Ben, je ne sais plus, peut-être. Moi, j'en ai mis 6 là-dedans. Ouais, mais les autres, je sais pas où ils sont. Et il y a la fermière qui m'appelle. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? N'allez pas batifoler tous les deux. Elle veut une bouilloire. Elle veut une bouilloire, mais... J'aimerais cuisiner pour notre groupe et remonter le moral de chacun. Moi, ça me va. Un foyer avec une bouilloire aiderait. Mais j'ai donné la mienne à un ami quand nos quand nos caravanes se sont séparées. Il allait vers l'orée de Pikmid. Ah ah, peut-être que nous pourrions lui demander de la rendre. Alors là, ok. Hop. Compte sur moi. Et du charbon, est-ce qu'il nous en reste? Telle est la question. Je crois pas qu'il nous en reste beaucoup du charbon. Faut en refaire. Peut-être dans la... Ouais, il va falloir en refaire. Ah mais non, on en a 100. Très bien. Ouais, parfait. On avait tout prévu. Hop. Donc on va avoir... 11 barres de cuivre dans 5 minutes. Ce qui permettra de faire une première pioche. Ouais, une seule pioche. Et il va nous manquer du coup du cuivre, j'imagine. Oui. Parfait. Bah écoute, je te propose de partir gentiment. Alors au choix, soit on va chercher la bouilloire, soit... Bon, on peut aller chercher soit la on va à Pikmid pour le forgeron. Ça m'a l'air d'être au même endroit, au fait. Attends, moi j'ai le sanctuaire de la flamme, attends. Celle-là, c'est où? Ah bah oui, bah les deux sont... Oui, c'est ça. À la capitale. À la capitale. Bah écoute. C'est parti. Let's go. Let's go. Je me suis mis à la maison, moi, qu'on avait posé la... J'ai vu ça. Alors, c'est par où? C'est par là, il faut retraverser. Plein nord. Et c'est bien embrumé derrière. Hein. Ouais, et il y a un puits de l'élixir. Hein. Ils sont revenus. Ah, il y a du monde au-dessus. Aïe, j'ai pris une mine. Il y a un mec qui nous a tiré dessus avec son arbalète, il est là. Tu peux cibler le monsieur à l'arbalète s'il te plaît? Ouf! Il y a le monsieur pas content. J'ai tué l'arbalétrier. Je suis censé faire des dégâts quand je flash maintenant, mais j'ai pas eu l'impression. J'ai pas l'impression que ça refasse beaucoup de dégâts. Hein.
C'est bon, il est mort. Waouh. Ils sont énervés, hein. Un peu, hein. Attends, parce que c'est sûrement pas fini. Et on n'a pas mangé. Ah, moi, j'ai si, pas si, mangé. Moi, j'ai mangé. Après, on peut le contourner, hein. Là, on saute tout droit, hein. Faut qu'on prenne une décision tout de suite. Ah bon? Oui, il y a un mec qui nous tire dessus avec des bombes. Attention. Ah ouais. Il avait eu une amende ce matin, le monsieur? Je ne sais pas, mais... Il était pas très très agréable. Ouais, le double one shot, quoi. Ah ouais, ouais, clairement, ça a piqué, mais bien sévère, quoi. Attends, je rentre à la maison 2 minutes. Je t'accompagne pour récupérer le bœuf repos en même temps. Là, le forgeron, il a une nouvelle quête pour nous. Ah ouais? J'ai grandi dans la capitale. Il racontait des histoires que j'ai partagées avec ma fille. Parfois, la nuit, il y a de faibles lueurs sous les vagues. Un signe de bon règne de la reine Picumède. Ma fille m'a dit qu'elle les a vues, une fois. Je pensais que c'était des contes pour enfants. Très bien. 28 minutes de bœuf. Ah oui, oui, non, mais le bœuf, maintenant... Let's go. Hop là. Alors, il est où? Il est là-bas. Allez, allez, allez. J'adore quand tu longes le sol en volant. Ça me fait rire, moi. Alors, 400 mètres. Ce serait pas... Qu'est-ce que c'est, ça? De la pierre. C'est de l'argile, ça? Non, c'est de l'ambre. Oh! Donnez-moi de l'ambre. Bah, je crois que la maison là, on va pas la faire sauter tout de suite, hein. Ah ouais, non, non. Peu d'ambre ici. Non, c'était beaucoup plus rouge que l'argile, c'est pour ça que je me suis posé la question. Bien, bien, bien. J'ai déjà 5 ambres sur moi, donc de quoi fabriquer un bouclier légendaire, là. 6. Et puis on en a besoin pour améliorer la flamme aussi. Ah oui. Moi je suis à 13. J'en ai 9. Bon. Je pense qu'on peut déjà essayer d'avancer là-dessus.
Après, on peut aussi farmer. Nous ne sommes pas là pour farmer, nous sommes là pour combattre. La ferme de Cloverbrook. C'est quoi ces gens? Oh tiens, bonjour toi. Oui, c'est lui. Il est décédé. Il y a un mec derrière toi. Il y a des insectes de merde. Leur nid est là. J'ai essayé de les combattre à la hache d'abattage, ça n'a pas marché. J'imagine bien. Ils sont chiants. Je vois pas les dégâts d'explosion par contre que je fais maintenant quand je... Je suis censé faire des dégâts d'explosion quand je flash à côté des ennemis, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais ils sont chiants. On se casse, hein. Oui. T'as l'air d'être par là. Allons-y. T'as vu, il y a un soleil rouge. Oui. Ah, ça peut crit la régène de vie. Excellent. Bah regarde, il y en a là de l'ambre. Ah bah justement, des sacs de brume, il nous en faut pour les... Pour améliorer la flamme aussi. T'es où ? Where are you ? Avec un... Un type là. Vous je suis pas bien loin. Vous apprenez à faire connaissance, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Il a appris. À se reconnecter avec le monde, on va dire ça comme ça. Je comprends, je comprends. Ah oui, je te vois. Il y a un peu de monde encore, hein. Ouais, il y a encore plein d'insectes de ces morts. Ils sont pas bien résistants, mais ils sont bien chiants. Ils sont nombreux, hein. Mais c'est comme le zombie. C'est ça qui embête le monde, hein. C'est comme le zombie, quoi. Emplacement ci-dessus. J'ai vu ça. Oh, attention. Ah, Berk. Il y a une patrouille. Ils sont deux, hein. Le deuxième est là, attention. Attention, il y en a un troisième derrière toi. Merci. Ouf. Ah, il me met midlife, hein. Direct. Alors, placement ci-dessus, ci-dessus. Ci-dessus, très loin, quoi. Bah, ouais, hein. Ci-dessus, pas tout près, hein. Oh, tiens, regarde, hop. On est plus embrumé. Ouais. Un petit épée, là, ce serait pas dégueulasse. C'est la capitale. Apparemment.
Pourquoi j'ai comme dans l'idée que la capitale... Ça pue du vieux? On va tomber sur quelques gros mobs, ouais. Mais non. C'est quoi cette hache qui vole? Je ne sais pas. Ouais, tu j'étais en train de me poser la même question. Et elle me repousse en plus. Mais tout à fait. Auray de Auray de Picquemède. Pikmin. L'auray de Pikmin? Ah. C'est sympa. Merci. Ça pue aussi, non? Vous Oui. voyez de la fermière. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Puis la nuit vient de tomber. Ouais. C'est un peu chiant le coup de que tu puisses. Je trouve qu'il le proc de automatique de je monte à l'échelle ou quoi, il est un peu loin de l'échelle, si tu vois ce que je veux Ouais. dire. Quand même. Je serais bien rentré dans cette bâtisse, mais a priori, ils ont pas l'air d'avoir envie qu'on puisse y aller. Je suis rentré dans une autre. Soit. Après une petite grenade et c'est bon. Alors, il y a un bouquin ici. Ah, la nuit, c'est horrible. C'est un peu angoissant quand même la nuit. Ouais, tu crois qu'ils auraient fait ça exprès? Ouais, hein, je pense. C'est vache, hein, quand même, de rendre la nuit angoissante. Ouais, c'est ça. Appréciait-on le romantisme un jour d'orage? Roderick est un idiot. Il a parlé de notre liaison. Florian, mon abruti de mari, doit mourir pour que Roderick et moi puissions être tranquilles. J'ai répondu à l'annonce qu'il a publiée dans le journal du Pic. Et je sais qu'il veut me tuer. Oui. Il faut arrêter de faire des conneries avec d'autres monsieur, madame. Voilà. Moi, ma femme m'a déjà prévenu. Qu'il fallait que t'arrêtes de faire des bêtises avec d'autres monsieur? Non, mais si je vais voir d'autres madame, c'est Squeak. Hein? Ah. Ah, ils ont encore une échelle pétée. C'est relou. J'ai réussi à entrer dans la première maison. Ouf! Non! Et j'en suis ressorti. Je sais pas où je suis, parce qu'à cause d'une échelle pétée, je suis tombé. Je sais pas où, et il y a un mec niveau 15 qui me regarde pas gentil. Je te vois, je suis pas loin. Ok. Je suis mort. Allez, venez. Mais je suis mort à côté d'un hôtel de réapparition, donc ça va. Ah oui. T'es bien tombé. Ouais, il me one shot, hein, les mecs. Il me one shot quand j'ai mangé, et là, forcément, bah, j'ai pas mangé parce que. Je viens de réapparaître et il est sur moi, forcément. C'est sûr. Donc c'est vraiment du one shot de chez one shot. Oh, ah. Tu me repop ou... Ressuscitation en cours. En fait, le truc de repop, il est juste au-dessus. Ouais, c'est lui qui m'a tué là. Il Attends, saligo parce que là. là j'ai mon épée qui a lâché.
Voilà. Il y a aussi un truc qui est vachement frustrant. C'est que les mobs de plus haut niveau ne te donnent pas de loot de plus haut niveau. Aïe! Je peux pas, je peux rien faire, je le vois pas. Je vais mourir. Ils sont costauds les gens ici, hein. Oui. Alors tu disais qu'il y avait un truc de repop là-haut là? Oui. Ouch. Comment t'avais réussi à y aller? Je sais pas, en tombant d'une échelle, je t'ai dit. En fait, j'ai voulu Parfait. Monter une échelle. Et Non, t'approches pas de ça. Bah si. Si. Oui. En fait, j'étais sur une échelle, je suis tombé, je ouais. me suis rattrapé avec un grappin. Et voilà. Ok. Parce que tant qu'à faire, j'irai bien le chercher aussi. Je me doute. Mais il doit bien y avoir un escalier quelque part. C'est obligatoire. Par ici. Ouais, c'est par là. Alors. Non, c'est pas par là. Là, il y avait ça. Ouais, là, j'étais moi, je suis monté là. Ensuite, je suis monté à cette échelle. Cette échelle qui est buggée. Ah bah, il est juste là. Voilà, donc ça, c'est fait. C'est vraiment chiant les échelles buggées. On a rien à faire par ici au fait. Hein. C'est de l'autre côté la quête. Hein, oui. Tu peux l'ouvrir avec un coup de hache. Hein. Je pense que nous avons besoin d'un nouvel endroit pour stocker l'élixir. Les tonneaux fuient et un film a commencé à se former sur le sol de la cave. C'est moite et humide. Descendre à la cave sous le marché donne le tournis. Aussi, je vais virer Rémi. D'accord. Pauvre Rémi, il avait rien fait, rien demandé. Apparemment, il faisait du travail déplorable. La gueule du loup. Une deuxième gueule de loup. Ah, il y a un arbre, de brume, ouais. Moi, je dis, ça sent la hache d'abattage et je charge. Hein. En avant! Ils sont nombreux. Ouh, ils ont des. Ils en ont un plus balèze que d'habitude. Voilà. Attention derrière toi! Y'a du monde! Te retourne pas tout de suite? Si, si, j'ai vu. Ah oui. Fuis! Pauvre fou! Mais c'est bon, c'est désembrumé. Voilà. Mais c'est fini, oui. J'ai un peu utilisé des grenades. J'espère que t'as apprécié le geste.
J'ai apprécié, j'apprécierai que tu tankes 2 minutes. Il y a un monsieur avec un bouclier là. Oh oui! Il est mort. Il m'a chargé, je lui ai fait une parade parfaite. C'était un peu chaud patate hein, cette affaire, non? Ouais. Allez, il reste des petites bestioles là-bas. Je suis en train de penser à un truc. Ouais. On mettrait pas un hôtel? Un petit hôtel? On en détruit un et on en met un ici. Au centre de la capitale. Mais tu veux détruire lequel? Je sais pas. Ah si, j'arrive. T'as de quoi en construire un ou pas? Attends, je regarde. J'ai 100 pierres sur moi, tu crois que ça suffit ou... Oui, je pense, ouais. Hop. Je vais détruire celui qui est à côté des... De là où on a apparu, tu sais. Tu vas me dire, il y a l'ambre à côté, mais l'ambre, on peut y aller depuis la tour. Des anciens, oui. Des bois envoûtés. Oui, oui, on peut. Et puis on trouvera peut-être un peu d'ambre ailleurs, et puis je suis pas certain qu'on en ait besoin d'énormément non plus. C'est ça. Et il va s'éteindre. Hein. Je vais à la maison, t'as besoin que je te ramène quelque chose ou pas? Non, pas que je sache. Pas que tu saches, d'accord. Je me vide les poches pendant ce temps-là. Je vais réparer mes objets. Impossible de construire ici. Ah merde. Je vais essayer de m'éloigner un peu. Et quelque chose me dit que je vais devoir sortir de la... De la ville. De la capitale, ouais. Ah oui, c'est pas comme s'il y avait de la brume rouge planquée en dessous, là. Ah, c'est chiant, ça. Moi, je me suis fait une hache en cuivre également. Mmh. Tant qu'à faire, j'y étais, je l'ai fait. Oh, un sanctuaire de la flamme. C'est cool ça. Oh, bah tiens. La bouilloire forgeron. Très bien. Pourquoi pour faire la bouilloire? Du cuivre, j'imagine. Non, des feuilles de métal. Ah, c'est beau ça. J'ai fait la bouilloire. Bouilloire trouvée. Gloire aux anciens, vous avez ma bouilloire. Comment va Raoul? Ah bah écoute, le professeur Raoul, il est mort. Oh, leur temps s'est écoulé, alors que le mien reste immobile. Nous sommes donc vraiment les derniers, c'est glaçant. Allumons le feu, fabriquer un foyer avec cette bouilloire. Il nous faut du silex. Et tu sais quoi? On n'en a pas. Je vais aller en chercher. On peut tricher ou pas? C'est-à-dire? Ah, peut-être bien. 2, 3... J'ai trouvé des ennemis derrière une grille. Ah.
J'ai compris. Que tu voulais dire par tricher. Hop. L'autre, il va trouver un moyen de me rejoindre. Je vais me choper un mini-boss sur le tête. Mais non. Il y a un deuxième arbre. Hop. On peut faire... Ah, on peut faire de la viande grillée. Ah, c'est pour faire de la cuisine. Ah oui, la bouillarde, oui, c'est ce qui est... c'est ce que la dame, elle disait, hein. Ça, c'est bien, ça. Mais pourquoi ça arrive si tard dans le jeu? Bonne question. Sang de flamme, il y a quelque temps, une chose bizarre est arrivée. J'ai reçu un mot. Regardez. À Regan, courtoisie de Conway. Je n'ai jamais rencontré de Regan. Bah, Donald, moi non plus. Mais les Mais je connais les Conway. Des coursiers de l'Est. Ils ont dû passer par avant-poste commercial. Ils ont dû passer par avant-poste commercial. Non, ils ont dû passer par un avant-poste commercial. Ou par l'avant-poste commercial du Rocher Brûlant. Pour livrer le message. Pouvez-vous enquêter? Ok. On est rentré par où ici? Il faut récupérer mes outils de maçon. Vous voulez une bonne blague? Un charpentier sans outils de maçonnerie. C'est ça la blague. Je suis une grosse blague, un imposteur. J'ai besoin de vrais outils, mais le forgeron ne veut pas me prêter les siens. Allez comprendre. Ok. Des clôtures en pierre. On va pouvoir faire des jolis blocs de pierre. Ben oui. Un nouveau lit, un lit en pierre. Des tables ça en pierre. Super confortable. Bah, ça dépend si t'es un nain. Des chaises en pierre. Mmh. Hey, tu peux vraiment te faire une maison de nain. Des fenêtres en pierre. Ça doit pas être pratique pour voir à travers. Un puits. On pourrait faire un puits. Je suis content. S'il est content, mieux. C'est ça. Très bien. Bon. T'as pas pu reposer de TP alors? Bah, pas encore. Je suis en train d'essayer de sortir de la ville pour voir si je peux en placer un. Et si c'est toujours impossible. Je suis où? J'ai bien une réponse à te donner, mais je suis en plein milieu. J'ai une réponse à te donner, mais je suis pas sûr que ça va te plaire. Ouais. Il faudrait que je parte, je pense, à l'est. On est arrivé par où, nous? Je suis perdu, moi. On est arrivé à l'ouest, là, non? Le petit coin... Au sud, par rapport à là où tu es. T'es sûr? Oui. Bien, je vais me diriger par là. Oui, c'est par là qu'on est arrivé. C'est là qu'on a de la map explorée, quoi. Donc là, c'est là qu'il y a du bois dur. La la loula. Ah oui, je reconnais l'entrée maintenant. Impossible de construire ici. Ah, ça y est. C'est construit. Le problème, c'est que je suis dans la brume. Que je ne peux pas sortir. Je vais construire un petit établi si je peux. Il faudrait de la ficelle et des bûches.
Bon, les bûches, c'est bon. Alors, la ficelle, c'est quoi? C'est de la fibre de plante. J'aime bien avoir creusé une mine assez loin pour être désembrumé pour me TP. Ah, ouh, c'est chaud ça, non? Je suis pas dans la brume. Ah si, j'ai glissé en dehors de la brume. Et je glisse. En fait, mon perso, là, il glisse. Très bien. Sortir de cette brume de ses morts. Voilà, c'est bon. Je glisse plus. Mais tu peux te TP depuis l'intérieur d'une mine, ce qui est plutôt intéressant. Me revoilà. Radi. Radi. Et bon, on y retourne. Parce qu'il y a encore du monde là-dedans. Hein. Puis peut-être un boss aussi. Accessoirement une wyverne. Est-ce qu'on va réussir à le tuer? C'est la question. On avait été par où? Aïe! Alors nous tout à l'heure ce qu'on a fait c'est qu'on est passé par ici. Ils sont passés par ici et repasseront par là? Il y a quoi ici? Ah bah c'est là qu'il y avait l'arbre. Ah bon? Non, c'est pas là. Non, c'est un peu plus loin. Mais c'est là par contre que regarde en dessous de... Ouais, j'ai vu, il y a du rouge. Ouais. Bonne gens, tenez compte de cet avertissement. La crique de l'écumoire s'écroule et rugit. La garde impériale, le roi Gormander, soupçonne un effondrement immédiat. Abstenez-vous de visiter la crique ou... aventurez-vous à vos risques et périls. Les opérations de sauvetage ne pouvant pas être effectuées tant que la guerre ne s'est pas calmée. De plus, restez à l'écart de la côte la nuit. Des rapports confirment d'étranges vibrations de l'eau ainsi que des lumières en mouvement. Cependant, le roi Gormander tient à vous rassurer personnellement, les observations d'une bête aquatique ne sont pas fondées. D'accord. Il y a le Kraken. Chers amis, écoutez mon histoire, c'est la vérité. Ils sont revenus, je les ai vus, les feux follets, de mes propres yeux, sur les rives du vent blanc. Plus brillants que jamais, ils sont revenus pour apporter la lumière glorieuse des profondeurs. Ne vous inquiétez pas, ce sont nos frères reptiliens, des dos écailleux et scintillants, sortent de l'eau, prêts à vous mener vers les rivages plus sûrs. Alors, viens voir. Oui. Moi tout à l'heure j'ai vu ça. L'hôtel de la flamme? Ah oui. Par contre il y a un gros méchant pas beau dedans. Ah oui. T'as vu? Il est là. On peut lui tirer dessus ou pas? Non. Ah si on peut. Le feu c'est plus efficace. Ah c'est bien ça. Ça on aime ça. Reste débile surtout. Il est dur ce boss hein. Ouais, franchement, on va avoir du mal à le passer, je pense. Ah là, il faut du skill, là.
C'est ça, crie. Crie, et crie pour ta vie. Personne ne t'entendra hurler maintenant. Oh. Allez, solide, et c'est comme deux gros sacs à merde, on continue de piocher. C'est ça. Là, tu récupères aussi de la vie quand tu pioches, tiens. C'est pas spécialement con ce que tu fais. Ah, c'est... De taper sur la même que toi ? Non, de taper sur le mur à côté. Oh ! Je crois qu'il y a des gants pour toi. Les envahisseurs se sont emparés de la place. Les fantassins doivent être en train de marcher vers le port, empiétant dans la doute, sans doute sur la porte. J'ai la chance, aïe, d'être arrivé à temps dans mon grenier caché, je te vois d'ici, mais les étendus, leurs seigneurs et les gardes du corps scandent quelque chose d'obscur. Le ciel est en mouvement. D'accord. Alors. Je crois que j'ai chopé des gants pour toi. Hein. Tu les as lootés ou tu les as reçus Ah, je les ai lootés. Attention. Je les ai envoyés. C'est les gants des gardes du Nord, un truc comme ça. Alors, des gants, tu dis ? Oui. Des gros gants en métal. Ah, effectivement. Gants de la garde du Nord. Alors, j'ai quoi, moi, en gants ? J'ai des gants de combattant en herbe. Oui, quelque chose me dit que la garde du Nord, ça va être mieux. Hein. Bah, ils étaient certainement plus que des combattants en herbe. Je t'envoie des bottes d'archer. Si tu restes à côté. J'arrive. Je vais exploser des tonneaux. La brute. Racine de brume. Ah, on nous tire dessus, j'ai l'impression. Non, c'est moi. Ah, d'accord. Je fais sauter les champignons minés. J'ai failli choir. Oh. Action ou vérité, Claudie, je te défie de me rejoindre pour un peu plus de malice. Nous nous retrouverons à la crique de l'écumoire, ce soir avec June et Ricky. June veut voler la lanterne de son père pour que nous puissions y aller la nuit. Je sais comment passer sans nous faire voir des gardes depuis l'été dernier, donc pas de soucis. Ricky dit qu'il va hurler très fort pour agiter la crique et faire sortir les lézards. Et bah apparemment, il y a une petite histoire de kraken et de lézard dans cette crique de ces morts. Bon, ils sont où les méchants? Ils ont peur de nous? On dirait bien. Et là, on va tomber sur un gros boss dragon qui va faire bleu. Ah bah non, ils avaient pas peur de nous. Attention, il y a du rouge, il y a du rouge, il y a du rouge. Merci. J'ai pas vu la brume rouge. Je t'avoue, je l'ai vu au dernier moment aussi. C'est... Je suis arrivé en haut et c'est parce que j'étais pas en train de planer, mais sinon j'étais dedans aussi. Oh là, petit enfoiré. De quoi hein? Une flante. Une flante? Une flante. C'est une fleur, mais qui est déjà fanée.
Oh, il y a quelque chose là. Ouf. Aïe, vaut mieux ça que de mourir. Attention, il y a pas mal de brume rouge autour. Ah oui, je me battais autour de la brume rouge, oui. Oui, c'est ça. Hop, je vais ressortir de la brume ouais, juste ouais, ici. Un petit retour. Ah, mais petit y a retour des... en zone safe là. Il y a des petits cons ici. Je suis niveau 14. Oh, des flèches en cuivre, merci. Il y a quelques sonos, ouais. Ah. Voilà. Après les échelles. Ah. C'est bon, moi j'ai réussi. Il y a un gros monsieur là-bas. Il me ah fait ouais peur. Ouais. Il est où? Loin, il fait... bah tu vois la machine, la sorte de grue là? Attends. Alors regarde, là-bas tu vois une sorte de balcon. T'as la maison, t'as une sorte de Ouais. balcon. Bah voilà, regarde. Ah ouais, il y a un gros monsieur, ouais. Il est plutôt gros. Il est massif. Moi, je vais aller chercher le coffre. Un anneau de santé. Plus 2 de régénération, plus 30 de santé. Mais il est mieux, donc je vais le prendre pour moi. Ah, j'ai vu ça, oui. C'est bon. Je ne suis pas mort. J'ai encore voulu Un plonger dans la pantalon brume de rouge. Guerrier. Dis donc. Doudou, C'est dis pour aller donc. avec mon juste au corps, ça. C'est un jogging. Tout à fait. Tu auras le set complet du jogging. Le parfait Par jogger. Contre, il est noir alors que le t-shirt est vert. C'est dommage. Oh, un livre. Toute ma vie, la mer a été à mes côtés, son visage scintillant. Ah bah, c'est encore une histoire de la crique, quoi. Alors. Attends, on peut peut-être tuer le gros monsieur en lui tirant des flèches dans le cul. Ah oui, il bouge pas. Fais ça. J'ai pas d'arc, hein, donc je te laisse gérer. Ouais, j'ai plus d'endu. Et le fais pas bouger. Il t'a vu, hein. Te fonce dessus. Ah, il a l'air complètement con, par contre. Bon allez, on Mais y va. Il veut pas. Oh, il s'est il régène. Revient. Bah, il s'est régène surtout. Je peux pas sortir. Je sais pas ce que je peux. Je peux rien faire. Je sais pas où je suis. C'est bon. Ah oui. Ah oui. Qui c'est qui tire là? Y a personne qui tire. C'est lui qui t'a tapé dessus. Ah ouais oui. Non. Merde, je sais pas où je suis. Je suis tombé. Au secours. Waouh. Mais je vais mourir.
au secours. J'ai pris une sacrée claque. Moi je cours tout droit, je vais mourir. De la brume rouge partout, de la brume... Voilà, je suis tombé dans la brume rouge. Pas sortir. Ah. Il y a un truc que j'aime pas avec cette brume rouge, c'est que tu mets tes pieds dedans, t'es mort. Il n'y a pas d'alternative. T'as même pas espoir de pouvoir t'en sortir. Tu tires sur quoi? Oh bah le boss hein. Ah putain de brume rouge de ces mains. Ah ça m'énerve. Tu tombes entre deux planches, tu tombes dans la brume rouge quoi, c'est chiant. C'est pas agréable. Parce que des fois ton perso il bug, enfin il bug. Tu vois ce que je veux dire quoi? Oui oui bien sûr. Il est un peu difficile à contrôler et tu sais pas pour... D'accord. Il fuit. Reviens ici. Voilà. Oh, joli arc. J'ai vu ça. Ça récupère ta... Hop là. C'est fait. Moi je suis persuadé d'avoir reçu une ou deux grenades tout à l'heure hein, donc ouais c'est bon j'ai trouvé. Il y a une plante juste en dessous. À ta droite, à ta droite. Et des archers. Ah oui il y a des archers aussi en face ouais, effectivement. Aïe. Viens il y a un truc rouge là-bas. Truc rouge. Ouais, ça, c'était peut-être la loupiote, juste. Hein. Sûrement. Oh, un coffre. Ils savent pas ouvrir les portes. Oh. Aïe. Ça va être un duel d'archers. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Bonjour. Il fuit. Lâche. Il avance vers toi, l'archer, je sais pas pourquoi. Il fuit, je sais pas où il va. Il part faire des courses, je crois. Ah oui, il est tombé dans la brume rouge, il va pas, il va y rester, je crois. Hein. C'est ça. Attention, derrière toi. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis dans le mur. Salopard de jeu. Brume rouge. Ah. Il m'a bloqué dans le mur. J'ai devait sauter pour sortir. J'ai clippé. Et après, je suis tombé dans la brume rouge. C'est dégueulasse. Ça pique. C'est pas agréable là. Non, cette zone n'est pas agréable. Je n'aime pas. Elle est mal faite. Ça m'énerve énormément là. De mourir en boucle à cause de bugs, c'est chiant. Bug de collision où t'es... Je sais pas où est-ce qu'il a mis ta pierre par contre. Bah tu vas rire. Elle est dedans. Non, viens voir. Ah oui. Ah oui, carrément. On en est là. Oui, on en est dans des endroits extrêmement atteignables. Quoi. C'est plaisant, c'est plaisant. Je sais pas, je pense que la zone là, elle est mal... Ils ont peut-être pas eu le temps de vraiment la finir, tu vois. Quand ils ont sorti le jeu. Peut-être. Ils ont intérêt à la rebosser, hein, cette zone. Parce que techniquement, c'est là où on doit aller, parce que c'est là qu'on va récupérer la tête de Wyvern. Tout à fait. Donc, c'est même pas une question de on va trop vite. Ah bah, c'est ah dans oui, le château non, là-bas. Non. C'est dans le château là-bas.
Let's go. On n'est pas du tout au bon endroit, je crois. Bon, il y a bien un moment où on va pouvoir rentrer. Hop. Mais a priori, effectivement, ce sera pas par ici. Bah écoute. Je longe les murs. Ça va? Oui. Tu peux longer les murs, j'ai dit. On retourne à un endroit qu'on a déjà vu. C'est l'entrée de la brume rouge ici. Les jardins impériaux. Alors j'ai un souterrain ici avec de la brume rouge et des bestioles. Le roi Gormander, fils et du glorieux Pikmid, grand patron des bois. D'accord. Ah mais c'est le chemin pour y aller. Très bien. En avant. Ah. Aïe. Ça va, ton Il envoie des missiles à tête chercheuse, lui. Tu veux que j'arrive? Ah oui, bah c'est un mec volant. Aïe. Là. Aïe. T'es monté comment là-haut toi? Il y a un truc de grappinage. D'accord. Sinon moi j'ai trouvé un souterrain ici. Il y a quoi dedans? De la brume rouge? De la brume rouge et puis pas mal de connards. Sinon, on peut éviter la brume rouge. Oui, ça me va. Je te suis. Merde. J'ai loupé mon atterrissage. Hop. Hop là. Ah, il y a une lettre. J'ai ramassé du sel à travers un mur. Soit. Bonjour. Au-delà, nous nous élevons, une lumière solennelle brille sur votre visage, devant la lumière des bougies. D'accord. Ouais, c'est comme ça qu'on passe. On passe trop vite et à côté des coffres. Ah, j'ai pas vu. J'ai un espèce de rituel satanique. Un rituel satanique, c'est pour moi. Avec une baguette énigmatique. Oula. Dégâts épiques de glace et de choc. Ouais, c'est pas mal ça. Le sac à dos est plein. J'arrive. Je pense que je vais jeter une ou deux choses. Non, j'arrive, hein, regarde. Oui, tout à fait. Jette donc. Je te laisse voir le rituel satanique qui a été effectué ici. Et là. Ah oui. Elle a l'air très bien cette baguette.
Elle a l'air, hein. Regarde ici, faut l'œil haut. Bah, je sais pas. Et À merde. 5 mètres. Ah oui, d'accord, ok. Je crois avoir vu. Ouais, attends, moi je suis tombé. Encore une fois, le vol m'a trollé. Et il n'y a pas, il y a rien pour sortir de là. Il y a un crochet au-dessus de toi. Il y a un crochet au-dessus de toi. Je le vois pas. D'accord. Il est où? Tata yo-yo! Il est où ce crochet de ses... Je vais mourir. Je suis bloqué. Je sais pas. Ah putain. Ah ça m'énerve de rebondir comme ça là. Ah t'arrêtes pas de rebondir, c'est chiant. Ah oui là. Putain, il fallait le voir. Hein. Ouais, bah c'est parce que j'étais au-dessus hein, que je l'ai vu. C'est chiant quand tu sautes, ça arrête pas d'ouvrir le planeur et donc en fait t'arrêtes pas de rebondir. C'est un peu chiant. Tout à fait. C'est mal prévu. Bah le double appui, ouais. Alors oui, après on pourrait déséquiper le truc pour déséquiper le planeur, ouais. Ouais. C'est un peu chiant quand on a besoin, quoi. Comment t'as fait pour monter là-haut? J'ai suivi des... Il y avait des machins où on pouvait s'accrocher. On peut grappiner par ici? Non. Ah, mais là, tu peux sauter, là. Regarde. Ouais. Alors, par contre, là, j'ai pas envie d'y aller, là. Ouais. Ça donne pas envie. T'es sûr de ton coup là? Parce que... Bah écoute, je te dirais que non. Je vais me faire mon propre escalier. Oh, je suis pas confiant dans ton bazar, moi. Monsieur... Tu sens qu'à un moment on va glisser ou pas? Mais non. C'est bon. Là, bon. J'ai pas la motivation de Dovahkiin, tu vois. Ça glisse. Et on peut creuser le mur ou pas? On peut jeter une grenade sur le mur. La réponse est non. Je pense que j'ai réussi à faire un truc qui... Quel talent ce tonche. Et voilà. Facile. Bah écoute. Ah, faut pas nous donner un jeu en voxel. Ici ça grimpe. Ah, il nous faut la clé du pic. Voilà, je suis embrumé. Ah oui, il me faut plus d'enduit aussi, mais sinon ça monte. Une porte. Je vois rien.
C'est pas comme si on était en pleine nuit. Sans lampe. Je suis embrumé. Tu es en bas? Il y a rien. Il y avait quelque chose là-bas? Rien. Non, j'ai rien vu. J'aurais espéré qu'on ait la clé tout de suite là. Il nous faut la clé du pic. Oh. T'es sûr que c'est pas un truc qui s'ouvre hein? Parce qu'il fallait aussi une clé ou un crochet, un grappin sur les premières fois. Mais pourquoi il me faut la clé si je peux casser la vitre? Ah. Déjà. Voilà. Je suis rentré. On est où? Attends, c'est où, c'est où, c'est où? Le grappinage là? Ouais. Tu grappines, tu descends. La clé du pic. Et là, t'avances un peu, tu descends. Ouais. Aïe. Puis là, bah, y avait une fenêtre. Donc j'ai ouvert la fenêtre. Bon bah écoute. Hein. Y a pas l'air d'avoir grand monde à l'intérieur. Et je suis dans le pic. Voilà, c'est la salle du trône. Ah! La wyverne. Ouais, elle est derrière la porte, mais il faut la clé aussi. De quoi il faut la clé? Pas de clé pour ouvrir une porte. T'es sûr qu'il faut pas de clé? C'est dégueulasse, elle tape à travers le mur. Ce jeu est bugué. Hein? Pas celle-là. On est embrumé maintenant. Elle a pété le mur ou pas? Ah! J'ai pris une bombe à travers le plafond. Oui, moi aussi. Waouh! Et pas que des bombes, hein. Elle crache le. Tu peux te grappiner et venir essayer de me raise. Je peux. Tu es où? À côté du coffre. Ok. La bombe à travers le toit, j'ai pas trop apprécié. Attends, j'ai un truc pour toi. C'est pour. Ah, t'es plein? Ouais, mais attends, elle tire à travers les murs, c'est bon. C'est dégueulasse, quoi, sérieux. Et comment on fait pour ressortir? Ça va mal finir cette affaire, là. Vas-y, j'attire son attention, creuse. Oh, je suis mort. Encore une fois, un truc qui est tombé de l'espace. Pas mieux. La même. Ça m'énerve, ces trucs qui tombent de l'espace, quoi. Bon, je pense qu'il va nous falloir la clé. Hein. Bon, tiens, cadeau. Ouh. Ouais, mais non, il nous faut nos équipements, là. On n'a plus de crochet, on n'a plus rien, là. Effectivement. M'énerve. Tu vois, on te donne des possibilités et derrière on te dit non. Et t'es bloqué. Et ça, j'aime pas. Si on te dit, hein, tu peux tout casser, donc tu trouves une solution autre que de faire comme ils ont prévu. Et comme ils ont pas prévu ça et qu'ils sont pas contents, et ben ils te disent, bah non, tu peux pas sortir. Pourquoi yep. J'ai plus mon planeur? Ah si. Non mais oh. Il s'était pas déclenché, il s'était pas ouvert. Parce que le mob qui tire à travers les murs, merci quoi. 5 minutes quoi. Ok, il y a un mur invisible qui m'a poussé vers le bas, super.
On peut péter ça, hein, mais... Un peu long, quoi. Oui. Mais est-ce que mon perso il tourne une fois à droite, une fois à gauche. Je ne touche à rien. Je ne fais que taper. C'est quoi ça? Ah mais j'ai un feu follet de lumière aussi. Ah bah voilà. Il y a une grille à recasser. Bon, tu sais quoi, on va s'arrêter là. Parce que l'épisode est déjà bien trop long. Oh, on avait décrété que ça marchait pas sur les portes. Ah si si, je t'assure. Je lui ai mis 50 de dégâts. Ah mais on voit la ville, la wyvern déjà. Ouais ouais, la wyvern est juste derrière, hein, je pense. Beaucoup de grenades quand même. La pioche est presque pétée. La même. Bah il est là. J'ai mis 25. Bah c'est elle qui doit avoir la clé du pic, non? C'est possible. Oula! Ah oui, elle fait... Waouh! Elle fait tout casser. À 28 de dégâts, on va pas y arriver. Hein. Et puis là... Ouf. Elle résiste à la magie. Ouais. Et il m'a tué. Qu'est-ce qu'il fait? Moi je dis repli, hein. Non? Repli, repli, repli? Ouais, hein. Bah, le truc c'est qu'elle me one-shot presque. On lui fait pas de dégâts. Tu veux le faire quand même? Bah je sais pas. J'essaie de voir ce qui est faisable. Ah, d'accord, ok. Moi j'ai fait vraiment zéro dégâts. Hein. Vas-y. Moi j'arrive à 2-3 trucs mais vraiment pas grand chose non plus. Ah ouf. Par contre effectivement dès que je prends une claque... Ah elle fait beaucoup de dégâts. Hein. Ouais et on manque peut-être de d'armement. Hey, ouais. Je suis mort à l'entrée. Ouais ouais ouais. Bah ça va pas être pour tout de suite hein. On l'aura testé. Le port de Pike, mais c'est quoi? Où est-ce que je suis? Ah, je suis au même endroit que toi. Ouais, si, c'est ça. Ah oui, d'accord. Alors ici. Il veut pas que je monte. Il veut pas. Ça me saoule. Comment ça m'énerve là?
Ouais, la Wyrm, ça va pas le faire. Hein. Pas tout de suite, en tout cas. Ah, n'y est pas tout de suite, ouais. Parce que là, on lui fait vraiment rien en dégâts. Et elle, elle nous met deux claques, on meurt. Après, c'est faisable, hein. Ah oui, c'est, je confirme, ça doit être faisable, mais il va me falloir 4 ou 5 armes différentes et un peu plus de skill que ce que j'ai aujourd'hui. Ce qui est chiant, c'est qu'on a perdu tous nos crochets. On va tout refaire. Ressort. Donc ça, ça s'ouvre pas, on est bien d'accord, ici il n'y a pas... Non, non, mais c'est elle qui a la clé, c'est elle qui a la clé du pic, hein, c'est sûr. C'est elle qui a la clé, sûr ? Sûr. Je vois pas qui pourrait l'avoir d'autre que elle, quoi. Bon, des fois qu'elle aurait été sur un cadavre à côté, tu sais. Ouais, parce que même les flèches, je lui fais 25 avec mes flèches. 25-29. Et avec ma magie, je lui fais pareil, quoi. Alors si je lui tire dans la tête, je lui fais 78. Il faut que je vise la tête, quoi. Tu fais combien dans la tête ? 78. Ah oui. Mais elle bouge beaucoup, ça sert à rien. Et là, on peut pas mettre un... Je suis sûr qu'on peut pas mettre un machin. Ah oui, non, il y a assez peu de chance, hein. J'ai juste, j'ai juste essayé la flèche en cuivre pour voir combien je fais de dégâts. Avec 86 dans la tête. Mais dans la tête, quoi. Ça reste jouable. En vrai, tu viens de dire, elle a une grosse tête. Oh non, les armes lourdes c'est pas la peine. Ouais non, t'as vu combien on lui retire rien. Hein. Non, puis les armes lourdes, je prends 3 claques tout de suite avant de taper. Donc clairement... Clairement on va rentrer puis on va réfléchir. Ouais. Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Quitte à aller farmer du cuivre et aller se faire quelques trucs qui vont bien. Ouais. Bien, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Salut.